Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo que je suis très content, mais vraiment très content. Et moi, je ne sais pas de quoi il parle. C'est pour ça que je me suis mis dans un espace où on peut sauter. Ah oui, bah oui, ça se voit. On peut faire les cons parce que j'en ai besoin là. J'étais très content. Non, on n'en a pas besoin pour la vidéo en soi, mais j'en ai besoin d'extérioriser là. Ok. Parce que je voulais pas qu'Anaïs déjà chope le colis, donc je suis très content de l'avoir eu. Ce n'est pas toi qui l'ai attrapé, enfin qui l'ai réceptionné. Parce que tu ne sais absolument pas ce que c'est. Pas du tout. C'est un truc, on en avait déjà parlé quand on voulait tourner cette vidéo. Bah vous le savez parce que c'est écrit dans le titre du coup. C'est par rapport à des youtubeurs. Un ou deux youtubeurs. C'est un normalement, mais il y a deux youtubeurs qui sont dans cette histoire. Ok. Tu vois pas? Pas du tout. T'as aucune idée ce que ça peut être? Non. Si je te dis Japon. Ah, c'est la box de bonbons. Exactement. Ah, trop cool. Nous avons reçu la Candy-san box. Je suis très content, ça fait très très longtemps que je voulais faire ça. Ça a déjà été fait par beaucoup d'youtubeurs, on n'avait pas les premiers à faire ça. Je voulais le faire, on voulait le faire. Alors je suis très difficile en plus niveau nourriture, donc j'ai un peu peur de ce qu'il peut y avoir dedans. Ah ouais? Mais je voulais le faire. Cool. Très content. Ah oui, ah ouais, c'est des bonbons du coup qui viennent du Japon. Voilà, c'est enfin des bonbons, des produits, pas forcément des, voilà, des produits alimentaires qui viennent du Japon. Par contre, à noter qu'il n'y a absolument pas de liquide parce que pour le transport c'est assez compliqué, ouais. Vu que ça vient du Japon effectivement. Mais il y a beaucoup, voilà, il y a plein d'aliments, il y a exactement 14 trucs à manger et une surprise normalement. Salut. Voilà. Oh, enfin un cadeau quoi. Donc, bah du coup moi ça me fait plein de surprises parce que je sais pas ce qu'il y a. Ah mais je sais pas ce qu'il y a non plus. Ah je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je crois que tu savais. Non. Bref, on va commencer. À noter par contre, c'est vrai qu'Anaïs m'a fait la remarque. Anaïs, pour ceux qui savent pas, elle est végétarienne, ouais. Donc il y a peut-être des trucs qu'elle pourra pas goûter. S'il y a de la gélatine de porc, par exemple comme les bonbons en général, on le sait pas forcément, il met de la gélatine. Ou un autre exemple, les yaourts, les mousses, ouais. Les yaourts de fruits. En général, il y a de la gélatine aussi. De porc. Donc si c'est de la gélatine végétale, je ça va. Mange. Sinon non. C'est ça. T'imagines, je sais que c'est le couteau le plus dangereux qu'on ait en plus à la maison quoi. Je me coupe un doigt en vidéo, ça tourne mal. Ouais. Bon, et du coup, parce que j'ai expliqué sans expliquer, ça vient donc de Ici Japon, ouais. Qui est donc une chaîne YouTube mais aussi un site d'un français qui vit au Japon depuis un bon nombre d'années, qui fait beaucoup de vidéos d'Urbex par exemple, entre autres moi je l'ai connu grâce à Urbex, mais aussi, il fait aussi beaucoup de vidéos où il explique un peu la différence entre vivre au Japon et vivre en France. Ouais. Voilà, la culture, beaucoup de choses, c'est super intéressant, ouais. Et nous on le suit, bah, on l'a suivi à la base pour l'Urbex, mais si vous voulez un peu plus vous y connaître sur le Japon, je pense que c'est une très bonne chaîne. Ah oui, ah, complètement, ouais. Et même pas que le Japon, parce qu'il voyage vraiment beaucoup aux États-Unis et compagnie. Parce que lui, du coup, il est marié avec une japonaise, il a des enfants du coup franco-japonais. Exactement. Donc ils ont vraiment un mélange des cultures et... Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne Ici Japon et aussi la chaîne de Tev et Louis qui est, ouais, donc sa chaîne secondaire avec quelqu'un d'autre. J'adore aussi, ouais. Voilà, donc petit instant promo, même si honnêtement ils n'ont pas besoin de venir me faire un mode pas. Mais n'hésitez pas à aller voir leur chaîne qui sont très très bien. Carrément. Dégustez ça, sachant qu'il est 17h, 18h, hein, on a et qu'on doit se faire un McDo après. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Oh. Alors, Candy-san, j'imagine que c'est un sticker. On va tout vous mettre un peu en close-up comme ça. Petit sticker Candy-san, très très beau. Trop bien. Comme un gosse. Pas grave. Oh, c'est bien emballé. C'est vrai que c'est très très bien emballé. Truc. Oh, c'est quoi? Attends. Ah, t'es une enfant. Oui, j'ai envie de mettre les mains dedans. Si je me trompe pas, c'est un sans-bon pour la voiture, non? Bien. Bon, le problème, enfin, c'est que du coup, c'est pas marqué en français. Je suis même pas, non, c'est peut-être juste un truc que t'accroches. C'est peut-être genre comme un attrape-rêve aussi. Voilà. Bon, alors les mises au point ça va être un peu galère. Bon, on va la mettre dans la voiture. Mais voilà, c'est. C'est mignon. Bah oui. C'est mignon. Oh, il y a un truc mignon. Oh oui. Il y a un truc mignon. Oh oui, ça a l'air bon plus. Alors, voilà, on va commencer par ça. Ça a l'air d'être des chips au citron. Au citron. Chelou. Mais comment tu vas savoir s'il y a de la gélatine? Je suis con. Non, mais des chips au citron là, ça va, il y a pas de gélatine quand même. Comment ça se présente? Bah, ça a l'air plutôt pas mauvais. Bah, du coup, ça doit être bizarre de manger des chips. Bah, est-ce que c'est des chips sucrées? Est-ce que c'est pas des chips salées au citron? Je sais pas. Donc, c'est de la marque Calbi. Voilà, bon, bah, allons goûter ça. Sans, ça va? Ouah, c'est trop bizarre. Ça va? C'est trop space. Ah, ça sent la chips, mais ouais, avec du citron, hein. Logique, hein. Mmh. Ça me fait penser aux chips au vinaigre. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu l'acidité du vinaigre. Je suis pas fan. Il y a trop en fait, tu manges, t'as pas trop le goût du citron, c'est en arrière-goût, genre. Ouais. Je suis pas très très fan, mais c'est pas mauvais. Ah, moi je vais les tuer. On va vraiment goûter chaque produit parce que on va manger après. Ouais, non, c'est spécial. C'est pas mauvais, ouais. Mais c'est pas le truc que je mangerai, quoi. Peut-être pas un truc qu'on mangera à l'apéro. Ouais. C'est peut-être un truc, ouais, un petit encas comme ça. Mais moi j'adore. Pas convaincu, moi. Produit suivant. C'est trop beau. Pourquoi est-ce que t'as envie d'ouvrir? Des bananas choco cookies. Oh putain, bah alors c'est même pas pour moi, c'est mort. Je vais en goûter, ouais. Tu vas croquer dedans. Bananas choco cookies avec les mignons dessus. Sachant qu'il déteste la banane. Je déteste la banane. Moi j'adore. Mais vraiment que ça soit en fruits. Encore le fruit ça passe. Mais alors tout ce qui est gâteau et tout à la banane, yaourt, je prends pas de plaisir à manger. Oh, c'est trop beau les petits sachets, j'adore. J'avoue. Oh, ça tue. Je garde le pirate. Il y a un pirate, il y a quoi d'autre?
Oh, moi j'adore lui. J'avoue que les sachets sont super mignons. Bah, ils sont trop forts pour ça. Ils sont mignons, c'est le cas de bien. Tu veux le cas du coup? Allez, parce qu'on en double. Oh, universal. Ouh, ça sent la banane. Sans, pardon. Attends, au niveau de l'odeur, on dirait les bonbons à la banane. Tu sais, les bonbons banane là. Ouais, mais je vais pas aimer. Moi, je vais tout aimer, toi, tu vas rien aimer. Mais je le sais. Non, mais après, c'est justement un peu un défi parce que je sais que tout ce qui est japonais et compagnie, je suis pas trop fan en général. Ça a plus l'odeur de la banane que le goût. Il y a un petit arrière-goût de banane. Et moi, ça fait penser aux petits. Je sais pas si vous connaissez les kangou, les petits bonbons chocolat, les gâteaux chocolat. Ah, si, il y a le goût de la banane. Ah, ils sont même pas chocolat. Le roman. En plus j'ai trop faim. On devait tourner cette vidéo pour 4 heures, j'étais en train de monter notre nouvelle table basse. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Mais après ouais si t'as le goût de chocolat en arrière goût en fait. Mais le premier goût c'est le goût de la banane, j'aime pas trop. Mais c'est mignon. Bon allez. Oula. Ah bah ça va être crevette. Ça va être crevette. Moi, je bon ça Anaïs pourra pas goûter du coup. Du coup ça doit être des petites chips à la crevette, genre un peu comme des curly. Des vraiment mini curly quoi. Alors je sais que les chips à la crevette j'aime bien. L'odeur. Ouh, ça c'est ma crevette hein. Ça va? Sans quoi la chips chinoise ou... La crevette. Ouais bah... C'est des chips à la crevette, mais en forme de bâton quoi. Voilà, c'est une petite chips à la crevette quoi. Et non, c'est bon hein. Ouais. Ouais, effectivement, Anaïs ne mangera pas quoi. Non, c'est ouais. Bah pour l'instant, c'est mon préféré de tous du coup. allez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Oh, il y a plein de petits trucs là. Alors... Alors ne me demandez absolument pas ce que c'est. Et pas de réponse. C'est un tube. C'est quoi ça? C'est une chips. Quoi? Je sais pas. Je suis incapable de dire ce que ça sent. C'est même pas écrit en anglais, c'est vraiment quand japonais. Mais c'est des produits japonais en même temps, hein. Ils sont un peu implantés au Japon quand ils sont. Non mais ça aurait pu être en anglais aussi. Écoutez hein. Dis-moi ouais. Bon ça m'a l'air d'être un truc aux herbes ou Ouais. Ou si tu veux, mais c'est ouais c'est C'est un truc aux herbes quoi. C'est un biscuit apéro aux herbes. Oh j'aime bien. Oui ça va. Bon en même temps c'est assez simple hein. Mais ça me fait... Je prends pas. Ça me fait un peu penser en goût mais j'exagère mais les petites boules de tomates tu sais. Ah oui exactement. C'est juste ce que j'allais dire les trucs par quatre. Les boîtes par quatre l'apéro voilà. Je pense à ça aussi. Ouais. Sans la tomate. Oui oui mais un niveau peu, de texture et arrière goût il y a un peu ce goût là mais sans la tomate. C'est vrai. Non pas mauvais mais ouais. Encore des chips, je crois. Ah non, c'est une moitié des croutons. T'as vu la forme de croutons. Les petits croutons chips avec un footballeur dessus. Je l'ai ouvert un peu. Ouh, ça c'est au fromage ça. Fais voir. Ah, ça je vais aimer. Oh, oh oui. Oh oui. Oh, oh, ça sent le fromage. Ça, à quel moment aussi tu manges ça? C'est super sucré. Ouais. Alors, c'est comme des petits croutons. Mais ça n'a pas du tout la texture des croutons. C'est, je pense que c'est. Ça me fait penser à un truc. Ah oh, le goût, je le connais. Oh, je le connais. Je sais pas quoi, mais ce petit goût sucré. Oh, ça me fait penser à un truc. C'est ultra sucré, mais avec avec un goût de fromage. Mais c'est super bon. Hein. Bref, je retrouverai et si je le retrouve avant la fin du montage, je vous le mets. Mais je pense pas que je le trouverai. Vous hein. Les un peu les Cheetos. Non, j'aime pas les Cheetos non plus. Non. Ouais, mais c'est la texture qui est fondante. Non, mais c'est sûr que non. Bref. Allez, ça à mon avis tu manges pas. C'est gumise. Je sais pas, mais ça a l'air d'être un peu en mode gélatine. Ah oui, ouh là oui. Du coup un produit, alors ça a l'air d'être des bonbons à mon avis. Alors ça à mon avis, si tu veux que je te donne mon avis, c'est un petit tour, ça va être à la menthe polaire. Donc passe après les petits trucs au fromage. Avec les petits goûts de fromage à la bouche. C'est bien, c'est un petit paquet qui se referme. Ouais. On dirait des Satisfaction. Oui c'est un peu ça. Alors menthe, ça menthe. Ouais je crois, mais il y a un petit goût sucré de fruits genre. Ouf, oui, ouais. Ouais, non, c'est pas mon polar. Ouais, niveau texture, c'est comme des comme les schtroumpfs. Ouais. Bah, comme les schtroumpfs. Allez, c'est vrai. Ouais, un peu. Ça me fait un peu penser aux schtroumpfs, ouais. Ouais. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Comme les schtroumpfs. Mais je pense pas que tu puisses manger. Il y a un petit cœur coulant. Hein. Je le ferai pas, non, mais je le ferai pas. Ah, mais c'est peut-être cœur coulant, mais comme ça écrit en vert, je me suis dit, c'est marqué végétarien. Ouais. Mais je testerai pas. Et c'est vrai que ça, j'ai pas pensé en prenant les trucs que ça allait pas être écrit en anglais. J'ai pas pensé. Bah, moi, j'aurais pensé, ouais, que ça allait être en anglais. Mais non, mais du coup, très bon, mais ouais, on dirait des schtroumpfs. Achetez des schtroumpfs et vous avez le même truc que ça. Je crois que c'est encore des bonbons. Nouveau produit. Voir des petits bonbons, je pense à la couleur que ça va être orange, peut-être cerise, tu vois, peut-être fruits rouges. On dirait des œufs de lampe. C'est vrai, ouais. Je suis comme un enfant.
coup ça sent super sucré. Mais c'est ouf, c'est que les produits, tu sens qu'ils sont ouf. Super sucrés, oui, quoi. Ça sent super chimique là même, hein. Pas le sucré là. Ça sent l'orange chimique ou un truc comme ça, ouais. Ouais, bah, c'est un bonbon quoi. Non mais... Pas de corps coulant? Non. Pas comme l'autre? Quel goût ça? Orange, le chimique, ouais. Ouais, ouais, ça sent l'odeur. Hein. Deux, tu seras obligé de les manger en plus, hein, parce que moi je les mangerai pas. Non, non, mais c'est pas mauvais, mais ouais, ça va quoi. Spécial. Et c'est en fait, ouais, c'est le côté super chimique, moi, qui me gêne un peu en fait. Allez, allez. Oh, oh, ça c'est le truc acide. Ah, c'est le truc que j'adore. Tu mets sur la langue. Ouais, 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 ça j'adore. Énorme. On vous a spoilé. C'est le spray que vous mettez sur la langue, désolé pour la mise au point, il galère un peu. Du coup, voilà. Anaïs adore ça. Ah, ouais, quand j'étais petite, ça j'en mangeais. Spécial soda flavor. C'est au goût soda. Soda. Ah, un truc écrit en anglais, elle joue. Ouais, hein. Grave. Ah, ah. Ah, si c'est bon, j'aime bien ça, le goût du coca. T'as du coca chimique après, hein, c'est pas le coca-coca, mais. Ouais. Ciao. Non bah ouais c'est marrant, c'est... Non j'aime bien. Pareil c'est ultra chimique mais bon en même temps on le sait hein, mais ça, ouais c'est pas mauvais. Ouais, je garderai moi. Ah bon? T'es sérieux? Bah toi t'as les bonbons je peux pas manger, ah, moi je garde le reste. Super. Suivant. Ou alors ça, c'est pâte de fruits, ça c'est pour toi ça. Pâte de fruits tu crois? Ah oui bah il y a un fruit ou et... pâte de riz plutôt. Bah dans tous les cas c'est pour toi. Ça doit être un peu comme les mochis. Du coup ouais, ça a l'air d'être une pâte de fruits ou une pâte de riz, ouais je sais pas trop. Mais au fruit, je pense qu'il y a du fruit dans l'histoire et il y a une pâte. Oui. Ouh là bah ça c'est pour toi, 300% c'est pour toi. Ah tu as goûté de toute façon? Non non. Ah si c'est... Oula. Oh ça pue. Non c'est salé. Soja, le... je sais pas. Je sens même pas l'odeur. Ah ça a l'air immonde. C'est immonde? Non. Ça a un goût de quelque chose mais je sais pas quoi. Mais tu crois que ça te donne envie de goûter toi? Non mais si, mais c'est un goût de quelque chose que je connais. C'est un goût de quelque chose que je connais. C'était vraiment un petit bout. T'as pris un tout petit bout, tu dois pas en avoir assez. Si, t'inquiète, t'inquiète. Ah c'est bon, ça vient, ça non, vient. Non mais... Tu veux non? Moi, mais, je sens pas de goût en fait. Ah si, ah si, 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 je t'assure que c'est. Reprends un goût. Non. Après, ce qui me dérange, c'est la texture. Je déteste ces textures-là, moi. Bah, c'est pas. Ouais, c'est bizarre, ça fond sous la langue. Ah. Ça se met en morceaux là. Non, mais si, c'est pas gélatineux, c'est pas. Non, pas ouf. Non, non, ça, c'est pas validé. Non, non, hein. Non, non, ça, ça pas validé. Non, du tout même. C'est trop mignon, c'est un des petits. Oh, c'est une petite gaufrette au chocolat. Ça, c'est pour moi. Je dis, c'est mort. Mais ça, on va le manger en entier. C'est une petite gaufrette au chocolat. Bon, ça, on en a en France, hein, c'est très connu. Après, bah, en fait, c'est juste le packaging qui est très plein de couleurs avec des petits trucs, des petits robots et tout, forcément. Oui, putain, effectivement. Oh, mais il y a un sticker à l'intérieur, en fait, c'est stylé. Tiens. Merci. Hop, et du coup, vous savez, un petit sticker de je sais pas, de... Enfin, ça doit être un truc connu au Japon, j'imagine que les enfants doivent collectionner, ou même les adultes, mais voilà, je sais pas ce que c'est. Allez, goûte. Je préfère qu'elle goûte avant parce que. Bon, ça doit être une gaufrette de chocolat, hein. Je pense qu'il y a très peu de surprises. Ouais, voilà. Banal. Voilà, ça sent bon. Je suis pas chiant. C'est validé, ça c'est un 20 sur 20, ça. Allez, next. Bon, ça sera pour toi. Ça sera pour Anaïs parce que je n'aime pas du tout les mochis. Et bah, ça en est, hein. Clairement, là on est sur du mochi. Je crois que ça se prononce comme ça. Dites-moi si ça se prononce pas comme ça. Oh, ils sont trop beaux. Mmh, celui-là. Allez. Non, le rose. Non, le rose, ouais. Oh là là, ils ont la texture que j'aime en plus. Hein. C'est vrai, en tout cas, ils ont l'air très très beaux. Enfin, très très bon pour ceux qui aiment ça. Quoi. Ouais, voilà. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté ceci. Ouais. Les mochis, c'est de la pâte de riz avec à l'intérieur une petite garniture. Là, il n'y a pas de garniture, c'est que la pâte de riz. Mais trop beau. C'est tout, on dirait un petit nuage. Bon. Il reste que 3 points. Là, il y a un joueur truc bizarre, une tête de monsieur bizarre. C'est une tête de cul, clairement. Ouais, c'est une tête de cul, ouais. Bref. Il reste 3 produits. On va commencer par celui-là, je pense que pareil, ça je vais pas aimer. Je pense que. C'est vert ou matcha. C'est matcha, ouais, j'imagine aussi. Du coup, ça a l'air. Alors, soit c'est des biscuits avec du matcha et du chocolat aux extrémités, soit c'est des sticks pour faire du thé matcha, ou je sais pas. Non, c'est pour accompagner ton thé, je pense. Ah, ok, ok. Bon, on en fait un, deux. En tout cas, les packagings sont incroyablement beaux. Les gars, apprenez à faire des packagings comme ça, je pense. Moi, je veux ça, j'achète tout. J'achète tout, vraiment. Allez, je goûte en premier. Allez, vas-y. C'est matcha. Non, soit il y a que moi qui sens que le chocolat. Tu sens légèrement. Tu sens
pas mal de chocolat parce que c'est du chocolat noir donc ça prend le dessus. Ouais, tu l'as en arrière-goût, mais ouais, ça va, c'est léger. Mais c'est léger, c'est un goût de thé en fait, ça a le goût du thé. Non, c'est pas mauvais, honnêtement, j'aurais pas pensé que j'allais aimer ça. J'ai jamais goûté moi tout ce qui est les glaces ou thé matcha, les choses comme ça. Si c'est un goût là, en tout cas, c'est très bon. Après, quand tu manges qu'une glace, je pense à ça ou quand il n'y a pas le chocolat aux autour, je pense que ça t'a quand même vachement plus le goût. Oui, mais t'arrives quand même à dire. Mais là, ça va, c'est quand même léger, ouais. C'est quand même assez léger, ouais, ça va. Ouais. Et je sais qu'au Japon, bah, on avait vu une vidéo sur ça justement de ici Japon, ils font les Starbucks, le thé matcha comme ça, ouais. En même temps, oui, forcément, on n'a pas les mêmes socialités. Non, bah... Ouais, ça va, c'est pas le truc le plus validé, mais c'est validé. Oh, moi, ça se grignote, ça se fait grignoter. Bon, allez, avant-dernier produit. Depuis le début, je pensais que c'était des Kit Kat. Je suis légèrement déçu, je vais pas vous le cacher. Et c'est des biscuits. Des biscuits pour le thé. Enfin, j'imagine parce qu'il y a un petit oui, thé. Bah oui. Et il y a un petit ourson tout mignon. Pareil, la mise au point, ça va pas être top, mais c'est des biscuits pour le thé dans un emballage tout rouge, tout mignon. Voilà. Ça doit être des biscuits secs, hein, je pense qu'il doit pas y avoir grand chose. Oh, c'est tout mignon, c'est tout petit. C'est vraiment. C'est vrai. Vraiment ridicule, quoi. C'est un biscuit sec. On dirait les. Quand on était jeunes, nos parents nous achetaient des gros paquets de biscuits. Ouais. Que des biscuits secs là, pas cher. On dirait ça. Il y a un arrière-goût de thé. Oui, il y a un petit goût de thé. Trempé dans le thé, justement, dans le café, ça doit pas être dégueu. Mais non, franchement, l'arrière-goût de thé, tu le sens bien. Par contre, et pourtant, j'aime pas le thé, mais là, tu le sens bien, c'est pas mal. Il y a un petit goût, je suis d'accord. Et ouais, non, c'est petit quoi. Il te faut un paquet comme ça pour faire goûter quoi. Oui, voilà, c'est ça. Après, ça dépend des personnes quoi, c'est pareil, mais. C'est l'heure du dernier produit. Ouais. Je suis un peu dégoûté là. C'est passé trop vite. Oui, c'est vrai. C'est vraiment tout goûté déjà. Moi, je vais des surprises comme ça tous les jours maintenant. En plus, c'est le meilleur emballage celui-là. Bah, franchement, il est génial cet emballage. Nous avons donc trois. C'est vraiment, tu vois, quand j'ai commandé la Candy Sandbox, je m'attendais exactement à ce genre de truc. Vraiment. Et alors, mais avec un homme tête de cul dessus, pas forcément, mais vraiment un packaging comme ça, tu vois. Par contre, là, c'est un truc DIY. Hein. Je crois que c'est un truc à faire soi-même, c'est exactement ce que je l'ai montré, tu vois. Je crois qu'en fait, c'est de la poudre. Ouais, c'est ça. Ah putain, fais chier. Que si c'est ça, on le fera hors caméra, je pense, si on vous montrera après. Ah, mais c'est trop mignon. En fait, je crois. Ça, j'ai pas compris ce que c'est. Mais en fait, vous devez prendre cette poudre-là. La mettre dans de l'eau et le mettre là-dedans et le mettre au congèle, j'imagine. Et ça vous fait des petits bonbons, en fait, des petites sucettes. Ils disent de mettre là-dessus. Ah, sûrement avec les. T'arrives à lire, tu sais, avec le. Ah, ça fait une loupe en fait. Ouais, voilà, ouais. Ah, c'est une loupe. Et t'arrives à lire ce qui est écrit en fait. Bon, sauf qu'on sait pas lire le japonais. Donc en fait, c'est une carte comme ça. Avec la loupe en bonbon. Écoutez, ça on le fera nous demain. On le fera nous demain. Vous, bah, ça sera la suite de la vidéo directement. Oui. Mais nous, on le fera demain. Et comme ça, vous aurez le résultat. Ouais. On vous fera la démo quand même, tout ce qu'on fait. Et vous l'aurez demain. Mais là, j'ai un peu la flemme. Bon, du coup, j'espère que le résultat des sucettes est à la hauteur de vos espérances parce que nous, on l'a pas encore vu. On verra après. Du coup, c'est quoi ton produit préféré de tous, toi? À moi, sans hésitation, les chips au citron. Ouais. C'est vraiment, vraiment ce que j'ai préféré. Ça a été une découverte. Bah, après, c'est comme quand on était aux États-Unis où vraiment il y a des chips qu'on n'a pas les mêmes goûts.
aux États-Unis, on avait pris plein de chips comme ça, des chips des goûts qu'on n'avait pas. Et c'est vrai que là, du coup, c'est pareil. C'est vrai que les chips, c'est international et dans chaque pays, du coup, t'as. C'est ça, il y a des goûts différents. Et moi, vraiment, j'ai adoré ça. J'ai adoré les mochis aussi, mais je connais déjà. Donc... Et il y a Gurki qui avait fait une vidéo justement de ça aussi, où il avait dégusté des lays de tous les pays. Ouais, c'est vrai. Et du coup, moi, je pense que c'est celui-ci parce que je suis alors incapable de me rappeler du nom de ce truc, hein, mais ça me rappelle un produit que je connais. Mais je sais pas. Je sais plus et je saurai jamais. Je sais plus. Bref, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Moi, je suis très content d'avoir enfin tourné cette vidéo que je vous tournais depuis très très longtemps. Bah oui. On en recommandera peut-être des Candy Sandbox. Ouais, carrément. Donc, ouais, pour la Candy Sandbox, j'ai payé 26 ou 27 euros et je l'ai commandé le 27 août. On est le 9. Le 9 septembre et on l'a déjà reçu, donc c'est quand même assez rapide en temps d'envoi. Une dizaine de jours. Et sachant que j'étais dans les derniers jours, on pouvait la commander parce qu'au bout d'un mois, ils clôturent les commandes pour les envoyer forcément. Parce que oui, sinon, le mois d'après, quoi. Sinon, ils sont emmerdés, quoi. Mais du coup, je trouve ça assez raisonnable pour des produits qu'on connaît pas du tout. Qui vient du Japon. Qui vient du Japon, puisqu'on n'aura sûrement jamais, enfin, sauf si on va au Japon et encore que tu peux pas tout goûter. Bah oui. Il y a des trucs genre les chips au citron, personnellement, je les aurais peut-être jamais goûté. Ouais, on serait peut-être passé devant, ouais. Voilà. Donc je trouve ça plutôt pas mal, vous pouvez vous abonner par mois, tous les 3 mois ou pour 6 mois directement. Après bon voilà, je vous laisse aller sur le site, je vous mettrai le lien du site directement dans la description. Et puis voilà, je suis content. Voilà, c'était super cool. Je suis content. Et du coup, pour ceux qui l'ont pas fait, on s'abonne, on active la cloche pour ne rien louper, une vidéo tous les dimanches à 10h30. C'est ça. Tiens, non, franchement, tu vas reprendre le rythme. Doucement, mais bon, en même temps, j'ai rien d'autre à foutre. Hein. Ouais. J'ai 15 jours dans ma semaine où j'ai un truc à faire. C'est le mercredi ou jeudi qu'on tourne une vidéo. Il aura fallu à peu près 6 mois pour reprendre un rythme. Ça va. Bon, en même temps, il y a eu le confinement. C'est pas de notre faute. Ouais, ça va. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Mettez en commentaire l'article que vous aurez préféré goûter. Ouais. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve dimanche prochain. Je sais pas avec quoi, mais sûrement une vidéo. Et bah voilà, c'est tout. C'est bien, hein? Meilleure clôture de vidéo. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.